Hello my dears, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager la recette des lechas paratha qui sont des galettes indiennes très feuilletées. Dans cette recette, je les ai fait avec de la farine de blé complet, plus un peu de farine blanche et un peu de semoule de blé fine. Regardez comme ils sont feuilletés. Passons à la préparation. Voici les ingrédients. Donc, il vous faudra 1 kg de farine de blé complet, 500 g de farine blanche, environ 700 ml d'eau tiède, une cuillère à soupe de sucre, 10 g de sel, 100 g de semoule de blé fine, mais c'est facultatif, et 100 g de ghee fondu. Dans un récipient, versez la farine de blé. Ajoutez le sucre et le sel, la farine blanche et la semoule. Mélangez le tout. Ensuite, versez l'eau tiède tout en assemblant la pâte. Faites attention à ne pas ajouter beaucoup d'eau, trop d'eau. Une fois la pâte bien assemblée, ajoutez 50 g de ghee. Une fois le ghee bien incorporé, ajoutez encore les 50 g de ghee restant. Pétrir jusqu'à obtenir une pâte homogène. Ensuite, mouillez la pâte et laissez-la reposer pendant 20 minutes. Une fois les 20 minutes écoulées, travaillez encore la pâte pour obtenir une pâte bien homogène. Ensuite, divisez-la en 16 boules. Étalez chaque boule en un cercle de 25 à 28 cm de diamètre. Une fois le cercle obtenu, badigeonnez la surface d'un peu de ghee fondu. Saupoudrez d'un peu de farine et pliez le cercle comme ceci. Un petit pli comme ça, plié vers l'intérieur. Ensuite, soulevez la pâte comme ceci. Et rabattez-la vers l'arrière, comme ça, enfin comme. Et nous allons faire comme ça jusqu'à plier toute la pâte, tout le cercle. Et voilà le dernier pli. Ensuite, nous allons rouler ça en escargot. Saupoudrez encore d'un peu de farine et pliez en escargot. Il faut bien serrer. Voilà. Prenez le bout de la pâte et enfoncez-le vers l'intérieur pour éviter que ça se décolle quand on va étaler. Maintenant, nous allons étaler en un cercle de 25 cm de diamètre. Ensuite, cuire le parotta sur une plaque ou dans une poêle bien chaude. Dès que vous voyez que ça commence à faire des bulles, vous retournez la galette et vous passez un peu de ghee ou un peu d'huile et vous retournez, vous passez encore un peu de ghee. Le but est de faire dorer les deux côtés du parotta. Parotta, paratha, farata, rôti, c'est comme vous voulez. Ou couscouma aux Comores. Et voilà, notre galette est bien dorée. Nous pouvons la retirer et continuer avec les autres. Tantaran! Voici nos lacha paratha. Bien colorées et bien cuites à l'intérieur. Nous allons les servir avec un curry de poisson et des légumes. Regardez comme c'est feuilleté. À suivre pour le curry de poisson et l'aubergine et pommes de terre sautées.